Donc là, salut à tous, rebonjour. Donc là, on a la chance d'avoir Maeva Madouche, qui a un très 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 bon palmarès de la boxe française pro. Donc je voulais donc déjà te remercier de ta présence d'aujourd'hui. Ça permet de donner effectivement du crédit à tous les boxeurs. Et donc merci pour ta présence. Je voulais savoir un petit peu ton ressenti par rapport à cette matinée, comment ça se passe, qu'est-ce que t'en penses? Ben, je vois des super combats, de l'engagement. Autant sur le ring qu'à l'extérieur, parce que je vois que le public est en folie, peut-être plus qu'en pro même. Donc c'est vraiment une très très bonne ambiance, chaleureuse, tout ça. Et ça fait vraiment plaisir d'être à Pouchet aujourd'hui, d'être là pour assister à ces tours d'Île de France. Merci beaucoup. Et donc là, si on nous entend encore, au niveau de tes échéances, comment ça se passe? Donc là, je vais faire un tournoi amateur début décembre, du 12 au 15, pour préparer les qualifications pour les Jeux Olympiques. Et ensuite, je vais réunifier les titres IBF-WBA en boxe pro le 22 février à Séoul. Je te remercie beaucoup pour ta présence. Est-ce que tu avais un petit mot, un petit message à passer à des personnes en particulier ou pas? Non, ben franchement, je remercie tous les boxeurs de donner leur maximum parce qu'en fait, ils font autant pour la boxe que nous, en fait, finalement. Moi, j'en fais tous les jours pour la boxe, pour donner une bonne image de notre sport parce que c'est ce qu'il faut, surtout. Et là, ce que je vois aujourd'hui, ça me satisfait et c'est très bien. Merci beaucoup pour ta présence. À très bientôt. Bon courage à toi, au revoir.